Les perspectives économiques mondiales ne montrent aucun signe d'amélioration. La Banque d'Angleterre a averti que les perspectives économiques de la Grande-Bretagne et du monde s'étaient détériorées depuis le début de l'année. Ils avertissent également les banques d'augmenter leurs réserves de capital pour s'assurer qu'elles pourraient affronter la tempête à venir. Les estimations de Bloomberg suggèrent que le risque que les États-Unis entrent en récession au cours des 12 prochains mois atteint 38%. Elles estiment que cela est largement dû à la détérioration de la confiance des consommateurs et à une modération des perspectives de bénéfices des entreprises. Et en Asie, l'inflation globale de la Corée du Sud a atteint son plus haut niveau en près de 24 ans le mois dernier, en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la hausse du coût des repas au restaurant. Et au Sri Lanka, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe affirme que le pays est en faillite et que la crise économique sans précédent se prolongera jusqu'à la fin de l'année prochaine.